Johan, Johan! Quoi encore? Il est super tard. Non, il est tard, mais il est tôt. Mais attends, mais t'as vu la nuit? Il fait nuit super tôt, hein? C'est le décalage horaire. Qu'est-ce que c'est que ce bruit? Qu'est-ce que c'est que ça? Salut Carlos, ça va? Ouais, ça va super bien, et vous? Qu'est-ce que tu fais avec un sabre laser? Ouais, pose ça, c'est dangereux. Attention, les gars, mais il est malade, mais non, mais Carlos, mais pose ça, mais c'est super dangereux. Mais t'as trouvé ça où? T'as Carlos, je vais venir vers toi. Bouge plus, ou je vais te crever l'œil. Oh non, Yann, stop, fais pas ça, s'il te plaît. Ok, je te crève pas l'œil, t'es sûr, hein? Oh, c'est comme tu veux, Yann. Attention. Ça repousse. J'ai eu peur, Johan, mais t'es malade ou quoi? Oh là là. Non, mais t'es un grand malade, Johan, mais. Mais non, oh, mais c'est peur. Bon. J'ai cru que Carlos, il avait perdu son seul œil. Bah non, ça repousse, t'as cadeau, je suis un alien. Ah ouais, c'est vrai. Aujourd'hui, je vais vous parler de la tablette Red Magic. C'est une tablette spécialisée dans le gaming. Et vous allez voir, j'ai été super impressionné par cette tablette. C'est une tablette au design incroyable, capable de jouer aux meilleurs jeux sur tablette avec une qualité de dingue. Comme vous pouvez le voir, là, je suis en train de jouer à Minecraft. Et c'est impressionnant parce qu'avec l'écran 144Hz, il y a un rafraîchissement de malade. La résolution est incroyable, c'est super fluide. Et en plus de ça, vous pouvez jouer pendant longtemps grâce à la batterie de 10 000 mAh. La tablette ne chauffe pas parce qu'il y a un système de refroidissement qui est vraiment incroyable. Et vous êtes immergé dans les jeux grâce à l'audio expérience de la tablette. Qu'est-ce que c'est l'audio expérience? C'est tout simplement les enceintes qui sont tout autour de la tablette et qui vous procurent un son incroyable et des vibrations quand vous jouez aux jeux vidéo. Vous allez voir, l'expérience de jeu est vraiment folle. Puisque la tablette permet d'avoir les réglages les plus optimaux et d'avoir des performances de fou. Après, ce qu'il y a d'incroyable avec cette tablette, c'est tout simplement le Red Magic Gaming Space OS 9.5. Avec ce système, ça permet tout simplement de pouvoir utiliser la tablette comme un ordinateur en branchant une souris et un clavier. Et vous pouvez tout simplement jouer à des jeux AAA, ça veut dire des jeux qui demandent énormément de ressources. Et ce qu'il y a de plutôt pas mal, c'est un peu comme les PC gamers. En gros, vous avez des LED RGB au niveau de la tablette. Et en gros, quand vous jouez, bah, elles peuvent scintiller quand vous l'utilisez ou que vous regardez des vidéos. Et ça, c'est plutôt beau. Yo, Carlos, où est-ce que t'as trouvé ce sabre laser? Eh ben, simplement, c'est quelqu'un qui me l'a donné, ta cadeau. Qui te l'a donné? J'espère que c'est pas Waris qui t'a donné ça, hein. Non, pas du tout, ta cadeau. C'était un bonhomme tout noir et qui avait du mal à respirer. Je pense qu'il était asthmatique. Un bonhomme tout noir? C'était un site. Un site. Un pack au fond avec le site www.http.fr. Qu'est-ce qu'il raconte? Ah oui, le site internet où vous allez vendre des vêtements avec Awariz. Oui, il y a bientôt. Attends, c'est un méchant, les méchants, un cadeau, un méchant qui faisait. Attends, on parle de la même chose. Attends, c'était qui le mec? C'était un bonhomme tout noir qui faisait. Carlos, je suis ton père. Je dis, mais non, mon papa, il est mort. Mais tu l'as vu où, Carlos, ce gars-là? Il était plus un peu plus malin, voilà, il m'a dit, ouais, vas-y, on se voit tout à l'heure, comme ça, je vais venir dans la ville et tout, mais je sais pas ce qu'il va faire. Johan? Mais, franchement, les gars, il avait l'air super cool, et à mon avis, il doit être super gentil. Super gentil? Salut les gars, salut mon pote, comment ça va, c'est Carlos? C'est Dark Vador. Ouais, vous faites moins les malins, hein. C'est Dark Vador, mais qu'est-ce qu'il fait ici? Je veux te le dire. Tu t'as dit à Dark Vador de venir, mais t'es un grand malade. Bah, avec ta cadeau, il m'a donné un sabre laser. Essaye, ta cadeau, essaye. Non mais Carlos, qu'est-ce que c'est que cette histoire? Non, c'est pas possible. Oh, c'est un cadeau. Fais la musique pour les abonnés. Vas-y, fais la musique. Ta-ta-ta-n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 a
parle. Ah, vite, 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 Carlos, dans l'eau, dans l'eau, dans l'eau. Je vais détruire la ville, Talcado. Détruire la ville Vous êtes fichu. Oh non. Dark Vador, mais non, 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 non. Qu'est-ce que tu fais ici? Bon, pourquoi tu veux détruire notre ville? Ah, parce que c'est mon plaisir, Talcado. J'anéantis tout ce qui est tout ce que je veux, en fait. Arrête, faut pas faire ça, mon pote. Dark Vador, arrête tout de suite, ok? Je l'ai manipulé, Carlos. Tu m'as manipulé. Il m'a manipulé. Il vient de le dire. Ben, ça pas beau. T'as un cadeau, bute-le. Vas-y, je vais essayer. Je suis trop puissant pour toi, t'as le cadeau. Pourquoi je peux pas le toucher? Ça lui fait rien du tout. Tu manques de puissance. Il me contrôle. Oh non. Ah non, je peux pas, je fuis. Comment t'as fait pour voler ta cadeau? Ah, il va détruire la ville. Ah, c'est pas possible, c'est beaucoup trop dangereux. Ah là là. Oh non, mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, t'inquiète, Dark Vador, on va s'occuper de toi, ok? On va bien s'occuper de toi. Hein, j'ai hâte de voir ça, t'as le cadeau. T'es un malade d'avoir ramené Dark Vador, Carlos. Non, c'est pas de ma faute, tu m'as dit que c'était super gentil. Oh là là, Yohan, comment est-ce qu'on va faire? Ça se voit qu'il est pas gentil. Il a un masque sur la tête. Mais t'as ouf, il m'a fait un cadeau, regarde, c'est super cool comme cadeau. En plus, c'est ma couleur. Il va falloir qu'on devienne des maîtres Jedi. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous forme. Non. Il faut qu'on trouve quelqu'un qui nous forme à devenir des Jedi. Carlos, tu connais pas quelqu'un, hein? Un petit alien ou je sais pas. Ah ouais, j'avais un mec, il avait la même couleur que moi. Ah bon? Ah, il s'appelait comment? Ça s'appelait Maître Caca. Oh non, Maître Yoda. Ah, Maître Yoda, ouais, je sais mieux parce que Maître Caca, c'est Maître Carlos, hein. Oui, en plus, non, pas de tout tes cadeaux. En plus, c'était Maître Yoda, perché sur son palmier, avec dans son bec à fromage. Ah non, ça c'est Maître Renard, ça, Carlos. Ah bah, c'est autre chose, alors. Oui, Maître Yoda et Maître Renard, c'est pas la même chose. Maître Renard, c'est une fable de La Fontaine, Carlos. Oh ouais, c'est La Fontaine, la justice de La Fontaine. Oh, ça te revient, La Fontaine. Oh là là, Johan, viens, on se barre. C'est pas possible, on va aller voir Anna. On a un gros problème, là. Ça se trouve, Anna, c'est Manuel Sabre. Tu penses? Bah, peut-être que oui, ça se trouve. Oh. Je suis sûr que c'est une Jedi en secret. Ouah, c'est sûr et certain que c'est le manier. Bah, t'as qu'à donc, tu sais, manier des ponches, tu sais, manier en sabre, hein. Ah, Carlos, alors là, je vais dire un truc, ça se dit pas. Et quoi, moi aussi, je sais bien manier tout ce que je vois pour faire pour de la vraie, hein. Johan, Carlos, dégage. Je vais lui recrever l'œil, hein. On va lui recrever l'œil. Bon, tu sais quoi, on va aller voir Anna et après on va voir Awaris. Carlos, j'en peux plus là. Il nous a attiré dans les problèmes. Qu'est-ce qu'il a fait? Attends. T'as le cadeau, mais qu'est-ce que tu fais? Mais toi, qu'est-ce que tu fais là? Mais je suis en train d'observer les étoiles. J'ai l'impression qu'il se passe quelque chose de très bizarre dans le ciel. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois quoi? Je sais pas, j'ai l'impression de voir une planète que j'ai pas l'habitude de voir. Une planète? Et là, tu vois quoi? La lune. Ouais, là, c'est le cas de le dire. Anna, on a un problème. Qu'est-ce qu'il y a, t'as le cadeau? Il y a Dark Vador qui veut venir envahir Talca City! C'est donc ça que j'ai vu. Quoi? T'as vu quoi? J'ai vu... je sais pas si je dois vous attends, le dire. Non, c'est pas vrai. Quoi? Il y a l'étoile de la mort. Oui. Oh non. Comment est-ce qu'on va faire? C'est l'étoile où il y a des morts. Non, c'est l'étoile de la mort. Ça veut dire que l'étoile de la mort va détruire notre planète. Oui, oh non. Ça veut dire ça. Moi, je vais. Qu'est-ce que je vais faire? Faut qu'on parte. Attends, qu'est-ce qu'il y a là? Qu'est-ce que c'est que ce délire? Carlos, qu'est-ce que tu fais là? J'étais en train de faire une expérience. Je regardais tout simplement sur la Terre où ils se passaient les méchants. Pourquoi t'étais en train de nous espionner? J'étais pas en train d'espionner, t'as cadeau. J'étais en train de trouver une solution pour. Qu'est-ce que vous faites? On fait tourner la Terre comme ça, on met notre doigt et on sait où on va partir. On part en vacances. Bon, bref, on a d'autres problèmes. C'est parti. Oh là là, allez, on arrête. Moi, je vais voir Awaris là. Il faut qu'il nous aide, ok? Ouais. Awaris, il a intérêt là, hein.
Awari, c'était là? Qu'est-ce qu'il fait, attends? Qu'est-ce qu'il fait? Je suis là, oui, t'as le cadeau, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que t'es en train de faire, là? Je fais des constructions, et vous, qu'est-ce que tu fous avec un sabre laser? J'ai pas de sabre laser, ouvre la porte tout de suite! Vas-y, je t'ouvre, allez hop, rentrez, les gars, rentrez, venez, venez! Coucou, Maurice! Coucou! Hop là, petit bisou pour Anna! Et moi, ouais! Non, toi, non, non, non! Aïe, 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 ok! Toi non plus! Et toi, tu vas en avant! C'est quoi ce truc? Zion, zion, ça fait mal! C'est un sabre laser Star Wars, ok? Qu'est-ce que t'es en train de faire là? Ah bah t'as le cadeau, justement, je vais faire décoller une fusée que Carlos m'a prêté. Regarde en haut, hop, juste appuyer sur ce petit bouton et hop là, ça s'ouvre. Hop. Oh là 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 là, ça peut bien servir ça. Ouais, décollage imminent. Bref, je le ferme parce que sinon vous allez prendre la fusée. Ouais, je pense que ça peut être une très bonne idée. On va peut-être avoir besoin de ça tout à l'heure. Tout à l'heure? Quoi, tu veux emprunter ça? Non, pas ma fusée, t'as le cadeau, c'est ma fusée, pas la tienne. Ah, Johan, on va devoir subtiliser la fusée d'Awaris tout à l'heure. T'inquiète, on va le kidnapper, on va le mettre dans le coffre et on l'emmène loin d'ici. Ouais. Qu'est-ce que tu disais, Johan? Oh, rien du tout, on va te kidnapper, on va le mettre dans le coffre, on va t'emmener loin d'ici. Quoi? Vous allez faire ça? Non, moi je veux pas de ça, les gars, arrêtez. Enfin bref, bon, écoutez, il faut qu'on aille voir Maître Yoda. Bonne idée, lui il saura. Maître Yoda, mais il existe ou pas? Il existe. Et je sais où il habite. Ah, ouais? Ah bon? Ouais, je sais. Ah, il est dans la ville? Oui, il est dans la ville. Oh, trop cool ça. Oui, Carlos m'a dit où il habitait. Oh bah, il balance tout, lui, de toute façon. Hein. Ah bah, c'est une vraie poucave, hein. Ah ouais, une vraie poucave. Et Johan, pourquoi t'avais une arme? Bah, c'est tout à l'heure, j'ai tiré dans l'œil de Carlos et je l'ai crevé l'œil. Mais ça a poussé. Ah, ok, c'est bon. Carlos m'a dit que Maître Yoda était caché dans ce village champignon. Il va falloir le trouver. Il est caché parmi l'un de tous ces champignons. Il va falloir le trouver. Carlos n'a pas voulu me dire où est-ce, dans quel champignon il était caché. Donc il va falloir le trouver. Oui. Je crois, Carlos, il s'est foutu, toi. Tu crois vraiment que Maître Yoda habite Talcado dans un village champignon? Moi, je pense que Maître Yoda, il habite dans un village champignon. Il a dit qu'il était très discret. Moi, je suis sûr qu'il est caché ici. Carlos, oui, c'est pas un menteur. Je le vois. Viens voir. Je crois que Maître Yoda là-bas. Moi, j'ai toujours cru qu'il vivait dans les marécages. Il est là. Coucou, Maître Yoda, ça va? Mais c'est pas Maître Yoda, ça, les gars. Vous êtes tellement dans l'abus. Ah ouais, c'est Maître Michon là. À tous les coups, Maître Yoda, il est là. Non, il est pas là. Bon. Talcado, à tous les coups, il est là. Ouais, à tous les coups, il est là. Non, il est pas là. Bon. Dans le jaune. Il est dans le jaune, c'est sûr. Non, il est pas là-dedans. Oh non. Oh bon. Moi, je suis sûr que si on l'appelle trois fois, il peut apparaître. Mais tu crois que c'est un fantôme ou quoi? C'est comme Beetlejuice. Ouais, elle d'accord. Est matrixée, je crois. Hein, elle, hein. Ouais, Maître Yoda. Non, tu vois. Mais Anna, vas-y, continue. On te laisse dans ton délire, Anna. Maître Yoda. Il va pas apparaître. Il va pas apparaître. Et si tu dis ça, il va encore moins apparaître qu'avant, tu vas voir. Je vais tester avec mon plat préféré. Couscous Garbi. Mais là, pas de couscous, hein. Ah bah non, y a rien qui arrive. Quoi? Johan? Y'a une limace sur le lit, y'a une limace! T'es où, Johan? Qu'est-ce que tu vois? Où ça? Là, y'a une limace! De quoi tu parles? C'est quoi ce truc? Une limace sur le lit! Oh, qu'est-ce que c'est? Mais c'est pas une limace, Johan! Votre visite, j'attendais, car le mal est réapparu. Maître Yoda? Bien, c'est moi. C'est vous? Oui. Maître, nous avons un problème. Oui, je suis Maître Yoda. Le problème, je l'ai vu. Dark Vador est revenu. Dark Vador. C'est Dark Vador. Dark Vador est revenu. Mais il vient de se réveiller. Laissez-le le temps. Ouais. Bonjour les gars, je viens de voir Dark Vador. Arrête pendant de te... 50 ans, j'ai médité. Te calmer, tu devras. Ok, je me calme. C'est des énigmes, ces phrases. C'est clairement des énigmes, ces phrases. Comme le père Foura. Attendez, sabre laser, le mien est. Sabre laser, le mien est. Ça veut dire quoi, ça, Johan? Oui, donnez à moi. C'est votre sabre, maître? À moi, vous devez donner. Ok, maître, je donne ça. Oula, ça a l'air d'être... Attendez. Oh, mais il est trop grand pour lui. Mais maître Yoda, il a toujours eu un énorme sabre. Mais là, il va faire du saut à la perche, là. Hein. La plaisanterie, tu cesseras si le mal tu veux combattre. Oui, maître, je suis d'accord avec vous. Et à chaque fois qu'il parle, c'est des énigmes. Attends, maître Yoda, tu sais faire la musique de Star Wars? Moi, pas. Je suis pas jukebox. Il est pas jukebox. Ok, maître, nous avons besoin de votre aide. S'il vous plaît, maître, formez-nous. Nous voulons devenir des Jedi afin de vaincre l'Empire du Mal. Le mal, je pourrais le vaincre seul. Pourquoi aidez-moi à vous? Tout simplement parce que Dark Vador veut détruire Talca City. Ah non, car nous, avoir aussi débiles que toi,
dois avoir Yoann. Mais tais-toi, tais-toi. Maître Yoda est super intelligent. Force à moi, toi rigoler maintenant. Ça brûle. Yoda est très intelligent, c'est un maître Jedi, Awaris. Vu comment il parle, on dirait un gogol. Mais il parle parce que... comprendre, Yoda, moi être copain avec toi, Yoda. Ouais, ça suffit. Ah non. Moi lâcher lui être ami de moi désormais. Ouais. Yoda, nous... Merci pour toi. Il est jaune, il est trop stylé. C'est un sabre banane, je vais essayer de le manger. Ouais, mais Yoann, faut pas jouer avec un sabre laser, c'est pas un jeu. Maître, pourquoi Yoann avoir sabre et pas moi? La banane comprendre esprit force de Yoda. Non. La banane très débile. Hein. Mais la banane très débile et nous comprendre Jedi. Nous pouvoir avoir sabre. Quel cadeau mange de la terre, je pense que ça va me fonctionner. Hein. Il va se dire, oh, qu'est-ce qu'il est bête celui-là. Non, mais. En tout cas, Yoda, l'heure est super grave. On a vu l'étoile de la mort se reformer. Oui. Bien très. Vous entraînez, vous devez et la victoire. Vous obtiendrez et par ensuite le sabre vous obtiendrez. Oh, sabre, j'obtiendrai. Je sens que je suis ultra puissant, maître. Pense que je peux avoir les pouvoirs du Jedi. L'indication vous voulez avoir, Yoann Anas est déjà prêt pour ce combat. Moi, être prêt pour combattre le combat. Non, mais moi j'y crois pas. Moi j'y crois pas. Yoann, il peut pas combattre. Il est trop nul. C'est pas possible. Awaris est prêt. Combattre lui. Non, c'est pas possible. Ne pas croire en sa force, vous mourrez. Alors, m'écoutez, vous devrez. Oh là là. Bon, on va écouter Yoda alors. Mais avant de commencer l'entraînement de vous, vous changez, vous devrez. Les costumes. Changer, nous devrons. Bon, moi je vais dans mon champignon alors. Je pense que Yoann, vu qu'il a un sabre jaune à tous les coups, c'est champignon jaune. Ouais. Toi, et moi ça doit être le rose. Je sais pas, toi. Bon, Anna, c'est le rose. Ouais, peut-être le vert. Ok, moi, changer, ok. Allez, je vais me changer, je me mets en tenue de Jedi. Ok, me voilà en tenue. Alors, est-ce que je suis bien? Alors, vous êtes en Jedi? Non, pas encore. Yoann, c'est pas une tenue de Jedi, ça? Si, je suis le Jedi banana. Oh, stylé, Yoann, ta tenue. Tu vas être un bon Jedi. Merci. Ah, Awaris, c'était bien, toi. Hein. Ouais, bah attends, on va voir ce que Yoda, il pense. Yoda, est-ce que la tenue de Yoann, elle est bien? Anna, elle est bien aussi. Oh là là. Anna, t'es bien comme ça. Hein. Je suis pas très à l'aise dans cette tenue. C'est une tenue de chaîne? Non, c'est une tenue de... Ah, j'ai oublié mes bottes. Ah ouais, t'as oublié tes bottes, elle est bien, Anna. Yoda, sommes-nous bien? Un Jedi vous ressemblez, alors que Yoann Anas, un Jedi vous êtes. Ouais. La chance. Alors Il ressemble pas du tout à un Jedi, hein. Bien très, me suivre vous devez. Tout de suite, maître. Qu'est-ce qu'on va faire? Il va nous faire devenir des vrais Jedi. La course à pied, nous pratiquerons. Basic fit, nous allons. On s'entraîne au basic fit, ok, pas de soucis. Bon. Adaptation à la jeunesse, je fais. Réfléchir avant de parler, tu devras. Il vient de me clash là. Il est super chaud en clash. Normalement, t'as le cadeau. À ce moment-là, normalement, il y a Passepartout et Passe-Muraille qui ramènent des clés, normalement. Bah, ok, d'accord. Et ensuite, courir, nous devons. On court. Bon, let's go. Allez, on court. Il court super vite, Yoda, mais il est super rapide. Accélérez, vous devez, vite. On accélère. Okay, attendez, je mets le V8 là. On essaie de faire vite. Plus. Tout de suite. Ça ralentit. Ok, c'est bon, on se dépêche. Ok, allez. On court. C'est bon comme ça. Bien très, t'as le cadeau. Bien très. Comment il fait pour être super rapide comme ça, lui? Il triche. Mais lui, c'est un Jedi. C'est un vrai Jedi. Bien très. Des progrès vous faites. On progresse. Oui. Les apres laser vous obtiendrez. J'ai mon sabre laser. Moi aussi. Nous sommes des vrais Jedi. Oh, surtout Anna, elle est stylée. Elle est en position de Jedi là. Je médite, elle est un Jedi. Moi aussi, je vais méditer, mais je suis un vrai Jedi et on va pouvoir attaquer Dark Vador. Arrête de faire ça, Maurice. Je suis un vrai Jedi, t'as le cadeau. Vous entraînez, vous devez combattre contre ces bestioles. Ok, c'est parti. Allez, Zion. Zion. J'en ai une.
Mine. Ok. Quoi? Hop là, moi aussi. Ok. Ah, moi aussi. Allez, ils sont super résistants. Ah, ils sont super résistants. Hein. Ils sont super résistants, ok. Ok, boum, boum. Ok. Là, ça brûle. Il y en a un autre là-bas. Allez, allez, allez. On se dépêche. Ok. On va faire un barbecue. T'as quoi? On va clairement faire le barbecue, hein. Avec des sabres laser. Ok. Boum. Ici, qu'est-ce qu'on a? Viens ici, toi. Boum. Ram. T'as quoi le choper? Ouais, mais allez. Moi, je galère. Allez, hop là. Tac. C'est du tennis. Voilà, là c'est bon. Toi là-bas, je vais venir te choper aussi. Viens ici. Allez, c'est parti. Boum, boum, boum et boum. Oh là. Ouais. Eh, ça fait 20 coups que je mets, elle est pas morte. Ah ouais? Ouais. Bon, je pense qu'on les a tous eus là. Hein. Là, je pense qu'on les a tous eus. Ok, c'est bon, maître. C'est bon. On a eu tout le monde. Oh là. La voix du Jedi en vous, elle est. Mais désormais, me combattre, vous devrez. Quoi? Nous allons devoir combattre. Cher Oligo. Ok, wow. Yeah. Okay. On peut pas, on va se le faire. Aïe. Allez. Mais il est intouchable, je suis. Il est trop fort. Mais il est beaucoup trop fort, maître Yoda. Tu l'as eu, Anna. Okay. Oh, bien joué, Anna. Ok. Attends, parce que. Yoda, vous allez bien? Vous allez bien, maître? Nickel, et ma santé. D'accord. Terminé est la préparation. Je vais me le faire, je vais me le faire, je le fais voler avec la force. Johan, c'est le maître, arrête, c'est le maître Yoda. Johan, c'est maître Yoda, doucement. Tu penses que tu fais le poids face à lui, c'est un maître il Jedi. Fait le mec. Non, il fait pas le mec. Bon, allez. Le mec, tu allez, fais. Maintenant, okay. On a besoin de la fusée d'Awariz. On a besoin de la fusée d'Awariz. Allez, on y va. Ça, on a pas Dark fini Vador, pour ça, hein. Déracé, vous devez. Oui. Chance bonne, vous devez. Merci, maître, merci. Nous allons fumer, maître. Merci, maître. Enfin, nous allons fumer Dark Vador. Oui. Merci, maître Blabla. Revoir à vous. Ok, allez, je vais être le premier à partir. On te rejoint. Ok, ouvrez-moi, allez. Ok, on ouvre la porte, c'est on ouvert. On n'a pas le temps. Allez, c'est parti, direction l'étoile bon de voyage. La mort. Merci à Waris. Attention, ça va cramer là autour de vous. J'espère hein. que tu vas pas te prendre de mur. Hein. Non, t'inquiète, bon courage. Allez, ciao. Oh, ça passe. Ça passe, allez, direction l'étoile de la mort. On y va, c'est parti. Ok, regardez, j'arrive près de l'étoile de la mort. Ok, je vais atterrir là-bas, vous allez voir, ça va être trop stylé, ouais. Oh oui. Ok, je crois que j'ai atterri dans l'étoile de la mort, mais regardez-moi ça. Il y a déjà, les fusées sont déjà arrivées et personne n'est dedans. Ah, Waris n'est pas dedans, Johan n'est pas dedans, Anna n'est pas dedans non plus. Mais regardez-moi ça, il y a tous les vaisseaux de l'Empire. Oh non, mais où est-ce qu'ils sont, ils peuvent être? Oh, j'ai vu, je crois que j'ai vu Johan là-haut. Johan! Ah, ils sont là-haut. Ah, vous êtes là? Oui. Ouais. Vous avez vu Dark Vador ou quoi? Non. Non. Oh là là. Et Anna, où est-elle? Non. Je sais pas. Tu sais pas où elle est? Bon, il va falloir. Oh les garçons. Où est-ce qu'elle est? Allez, avancez. Regardez, je vais piloter. Qu'est-ce que tu fais? On n'a pas le temps de là. Il faut pas piloter les vaisseaux amirals. Il faut tout simplement tous les détruire. Oh. Vous avez pris ce qu'il faut pour détruire tout ça. Il faut qu'on détruise l'étoile de la mort et qu'on parte rapidement d'ici, ok? J'ai de la dynamite. Ok, parfait. Vas-y, fais péter, faut mettre les TNT partout. Mettez les TNT partout, c'est exactement ce qu'il faut faire, ok? Ok, on met partout alors. Mais je vous laisse faire. Partout. Moi, je vais partir à l'aventure de Dark Vador, ok? Je vais partir, je vais m'occuper de son cas, ok? Attention. Tu veux que je vienne avec toi, tel cadeau ou pas? Non, j'ai besoin de personne, ok? Oh. J'ai juste besoin de moi et je vais utiliser mes pouvoirs pour vaincre Dark Vador. Vous allez voir, ça va être trop bien. Bon, je vous laisse tout péter, ok? Allez, allumez-moi ça. Allumez-moi ça là, allez. Allumez le feu. J'ai allumé. Allez, moi aussi. Allez, c'est parfait. Boum. Allez, ça va détruire tous les vaisseaux. Parfait. Alors, c'est parti. Faut que je trouve où sont les autres. Wow. Ok, il y a un vaisseau juste là. Ok, bon, par où est Dark Vador? Je vais aller voir la porte là-bas. Ok, voyons voir. Est-ce que par là, il peut y avoir quelqu'un? Oh. Regardez-moi ça, Dark Vador est juste là. Oh là là, à nous quel deux, joli Vador. T'as cadeau. Oui, je suis là. Je suis venu t'affronter, Vador. Qu'est-ce que tu fais ici? Je suis venu détruire l'étoile de la mort et me venger afin que tu ne captures pas Talca City. Ouais, c'est un joli rêve, Talca Do, mais désolé de te l'annoncer, ça ne va pas arriver. Ah ouais, tu penses? Vous pensez, mais Vador? Ouais, j'en suis sûr, Talca Do, parce que je vais t'éliminer sur le champ. Prends ça.
Ah, il a un double sabre laser. Oh non. Prends ça. Prends ça, t'as le canon. Ah, c'est dur, c'est dur, c'est dur. Ah, je suis en difficulté. Allez, viens par Je vais attraper. Carlos, qu'est-ce que tu veux là? Je vais attraper. Aidez-moi. Carlos, mais aide-moi, fais-moi remonter comme on peut remonter. Non, je suis avec le maître Jedi, Dark Vador, c'est mon père. Mais c'est pas un Jedi. Je vais vous aider. Ah, c'est pas un Jedi. Yohan, aide-nous. Vas-y. Viens. Ok. C'est super lourd. Ok. Il faut qu'on fume Dark Vador. Ok. Vas-y. Vous êtes de retour. Pose-moi, Yohan. Ok. C'est bon. Allez, Dark Vador. Arrêtez. Non, on n'arrêtera pas, Carlos. On le jette dans le vide. Poussez-le. Allez, il va falloir le finir. C'est parti. Allez, c'est parti. J'ai plus de vie, non. Tu es fini, Vador. Hop là, allez. C'est fini pour lui. On l'a buté. Carlos, à quoi tu joues? Vous avez tué mon papa. Maintenant, on va tuer Carlos. Non, on va pas tuer Carlos. On va rien faire du tout. Vous avez tué mon papa. Hey, il est où, Awariz, en parlant de ça? C'est quoi ce bruit? R2D2. C'est mon petit frère. R2D2, fais-nous monter ici. Active. Voilà, merci. Oh, parfait. Ok, R2, c'est super. Mais qu'est-ce que fait R2D2 ici? R2D2, qu'est-ce que tu fais là? Oh là là, je crois qu'R2D2 il est venu nous sauver. Mais t'es trop gentil, j'adore R2D2. Oh, il est trop mignon. On va le ramener à la maison. Bon, les amis, je crois qu'on va se laisser pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Si vous voulez revoir une autre vidéo, n'hésitez pas à me le dire. C'était un cadeau, ciao ciao les potes.